il pose les bonnes questions, il pose les questions qui sont questions d'actualité, comment on passe concrètement aujourd'hui à l'action pour mettre notre économie, notre société sur la bonne route, celle de la neutralité carbone, celle du respect des limites de la planète d'une certaine manière, et celle en même temps du bien-être. Et ça, c'est la raison d'être d'EDF. Et donc, c'est tout à fait naturel pour EDF d'être là aujourd'hui. Cette raison d'être, elle pose comme promesse faite au monde, à la société, à nos clients, de construire un avenir énergétique neutre en CO2, qui permette de préserver la planète, le bien-être et le développement. Il n'y a pas aujourd'hui un projet chez EDF qui est engagé sans qu'il ne coche cette case essentielle de la raison d'être. Et donc, c'est une vraie transformation de l'entreprise. Derrière chaque emploi d'EDF, il y a 4 emplois, souvent dans les PME. Et donc, on a besoin de cet ancrage dans le territoire. Et c'est évidemment tout à fait naturel pour EDF d'accompagner chacun de ses clients, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient une entreprise, qu'ils soient une ETI, qu'ils soient un plus grand groupe dans cette décarbonation de ses activités.